Bonsoir, la pluie a fait son retour ce lundi et il pleut pratiquement partout ce soir. Attention, une alerte à la tempête est lancée pour la Corse, valable demain et mercredi, avec des vents tempétueux dès demain matin et qui vont atteindre un pic d'intensité dans la nuit, de mardi à mercredi, avec des pointes de 120 à 150 km à l'heure et même 190 vers le Cap Corse. Demain matin, on retrouvera ce vent déjà tempétueux sur le nord de la Corse, côté continent, un temps très instable avec des nuages abondants, de fréquentes averses, elles s'accompagneront de fortes rafales de vent, souvent de l'ordre de 70 km à l'heure dans les terres, et puis avec tout ça également de la neige du côté des massifs de l'Est. L'après-midi, toujours de l'instabilité avec des pluies entre le sud-ouest et les frontières de l'Est, de la neige pour les reliefs, au nord des giboulées avec des coups de tonnerre, de la pluie et du grésil, le tout avec de fortes rafales de vent, et seul le bassin de la Méditerranée restera au sec, mais les vents souffleront en tempête en Corse. Les températures de votre mardi matin, déjà très douces. 6 degrés du côté d'Amiens, 8 pour Paris, 11 pour La Rochelle et 12 pour Bordeaux. Et puis l'après-midi, elles vont rester douces pour la saison. 8 degrés pour Bruxelles, 9 pour Strasbourg et pour Paris, 11 du côté d'Angers, il fera 13 à Toulouse et jusque 15 à 17 pour la Méditerranée. Mardi soir, l'instabilité se confirme avec des giboulées attendues sur la moitié nord, du grésil, des coups de tonnerre, de fortes rafales de vent. Et attention, dans la nuit de mardi à mercredi, ces dernières pourront s'accompagner d'un peu de neige fondante sur les régions du nord, ça pourra localement blanchir les sols sous les averses de grésil ou de neige roulée. Il y aura également de fortes rafales de vent, particulièrement près de la Manche où on pourra atteindre les 110 km à l'heure. L'instabilité va perdurer mercredi en s'atténuant progressivement au fil des heures. Encore des giboulées prévues au nord-est, blanchissant les sols dès les premières hauteurs. Le soleil sera généreux en Méditerranée, mais toujours avec du vent tempétueux pour la Corse. Et puis les températures seront en baisse et on va cette fois-ci se rapprocher des normales de saison. Jeudi, perturbation pluvieuse cette fois-ci pour la moitié nord avec un coup de vent attendu principalement au nord de la Seine, des rafales de 80 à 90 km à l'heure, jusque 100 km à l'heure pour le Nord-Pas-de-Calais et pour la Belgique. Au sud, ça sera beaucoup plus calme et lumineux et les températures vont de nouveau repartir à la hausse avec une certaine douceur. Pour vendredi et pour samedi, c'est de nouveau un coup de fraîcheur qui s'annonce avec un ciel de traîne vendredi, des giboulées pour le nord-est et de la neige pour tous les reliefs. Samedi, on attend des giboulées au nord-est et au centre-est. Ça blanchira les sols parfois aux heures les plus froides de la journée. Ailleurs, ça ira un peu mieux, mais il fera plutôt froid. Et puis enfin, pour dimanche et pour lundi, c'est le retour de la pluie par l'océan avec un net redoux, mais on s'en verra peut-être dimanche au contact avec l'air froid. Peut-être un peu de neige fondante, on en reparlera bien évidemment demain, mardi 16 janvier. Et n'oubliez pas de fêter les Marcelles. Bonne soirée à tous et à demain.